I'm happy to be joined here today by Ministers Anand, Haidu and LeBlanc, as well as by Dr. Tam and Dr. Niu. There's a lot to cover today, so let's get right to it. D'abord, j'aimerais commencer par faire une mise à jour à propos des vaccins. Ce matin, Santé Canada a autorisé le vaccin de Janssen contre la COVID-19. C'est une très bonne nouvelle. J'en profite pour rappeler que le Canada dispose d'un processus d'examen indépendant qui est reconnu à l'échelle internationale. Lorsqu'un vaccin est approuvé par Santé Canada, ça veut dire que les meilleurs experts ont conclu qu'il est efficace et sécuritaire. This morning, Health Canada authorized the Janssen COVID-19 vaccine. This is a single-dose vaccine. It can be stored and transported at regular refrigerated temperatures from 2 to 8 degrees Celsius, which makes it easier to distribute across the country. As with all of the other vaccines we have secured, we're working to get doses to Canadians as quickly as possible. Canada has an agreement with Johnson & Johnson for 10 million doses of this Janssen vaccine between now and September. This morning, I spoke with Jorge Bartolome, the president of Janssen Canada. He told me that they are committed to getting the full order of doses to Canada, and they're working on setting up global supply chains as quickly as possible. There are now 4 safe and effective vaccines approved by independent regulators in Canada. We have agreements with all 4 companies making these doses, and we also have agreements with 3 additional companies for their potential vaccines. Today, we also have some great news to share about Pfizer vaccine shipments. Pfizer has informed us that we are able to move up the delivery of 3.5 million doses from the summer into the next couple of months. Pfizer will be delivering an additional 1.5 million doses to Canada this March, moving deliveries ahead of schedule. We'll also be getting another 1 million doses ahead of schedule in both April and May. For months, we've been committing to you that we'll get 6 million doses total of COVID vaccines by the end of March. Well, because of the hard work of Minister Anand and the whole team, with these accelerated Pfizer deliveries, we'll now be getting 8 million doses by the end of March. In total, we can now expect 12.8 million doses from April to June from Pfizer alone. Cette semaine, le Canada a reçu un total de près d'un million de doses de vaccins contre la COVID-19. La semaine prochaine, c'est près d'un autre million de doses qui vont arriver. Aujourd'hui, je peux annoncer que Pfizer va devancer la livraison de 3,5 millions de doses qui étaient prévues pour l'été. Ce que ça veut dire, c'est qu'en mars, on va recevoir 1,5 million de doses supplémentaires. Et on va aussi recevoir 1 million de doses supplémentaires par mois plus tôt que prévu pour avril et mai. Depuis des mois, on vous dit que le Canada va recevoir un total de 6 millions de doses d'ici la fin mars. Eh bien, la ministre Anand continue de travailler très fort avec toute l'équipe et maintenant, on passe à 8 millions de doses d'ici la fin mars. De Pfizer seulement, on s'attend à recevoir 12,8 millions de doses entre avril et juin. Chaque jour, partout au pays, il y a de plus en plus de grands-parents qui appellent leurs petits-enfants pour leur dire à quel point ils sont heureux d'être vaccinés. Aux travailleurs de la santé qui participent aux efforts de vaccination, ça fait un an que vous vous retroussez vos manches pour combattre la pandémie et maintenant vous aidez les Canadiens à retrousser une manche pour en finir avec la pandémie. Je veux vous dire merci. Il y a des millions de doses qui s'en viennent, alors continuons de travailler tous ensemble pour vacciner les Canadiens le plus rapidement possible. As long as it takes, we'll be there with what people need to get through the pandemic. That means we're sending more and more vaccines to the provinces and territories in the coming weeks and months. It also means we're continuing to support everyone from families and small businesses to scientists and research staff. This week, we took another step forward for Canadian research with an investment of $518 million through the Canada Foundation for Innovation. More than ever, this past year has shown
just how essential it is to continue supporting science and innovation here in Canada. En mai dernier, on a investi pour fournir un soutien salarial au personnel de recherche des universités et des établissements de recherche en santé. Ces employés n'étaient pas admissibles à la subvention salariale d'urgence du Canada et c'était important pour nous de les aider. Cet investissement avait aussi pour but de soutenir les projets de recherche en aidant à couvrir les coûts supplémentaires entraînés par la COVID-19. Aujourd'hui, je peux partager que ces mesures ont permis de maintenir près de 32 000 personnes à l'emploi dans nos universités et de nos instituts de recherche en santé. De plus, environ 22 000 projets de recherche ont reçu de l'aide grâce à ce programme, que ce soit pour maintenir leurs activités essentielles pendant la pandémie ou pour accélérer la cadence et rattraper le temps perdu dès la rouverture. De la lutte contre le cancer jusqu'à la lutte contre les changements climatiques, le travail de nos chercheurs est indispensable. Ils aident à améliorer la vie des Canadiens et à faire croître notre économie. Et notre gouvernement va toujours être là pour soutenir la science et la communauté scientifique. Speaking of building a better, stronger future for everyone, I also want to talk about what we're doing to modernize public transit. No one likes to be stuck in traffic. Better public transit connects communities and helps people get around in faster, cleaner, and cheaper ways. Yesterday, Minister McKenna and Minister Champagne announced that we are investing $2.75 billion for zero-emission buses, charging infrastructure, and other electrification projects across the country. This is part of the unprecedented commitment we made last month of almost $15 billion for new public transit projects over the next 8 years. Not only will investments like this help us exceed our 2030 target, not only will this put us squarely on the path to net zero by 2050, but these investments will also help create good jobs and grow the economy. Hier, j'ai fait une visite virtuelle de l'usine de Novabus à Saint-Eustache qui fabrique des autobus zéro émission. Leurs autobus électriques à batterie longue portée peuvent parcourir jusqu'à 470 km avec une seule charge. Récemment, le réseau de transport de la ville de Vancouver les a choisis pour ajouter 15 autobus zéro émission à leur flotte. L'achat de ces autobus a été rendu possible avec le soutien direct du gouvernement fédéral. C'est un bon exemple qui démontre qu'en travaillant ensemble, d'un océan à l'autre, on peut arriver à rendre nos systèmes de transport collectif plus propres, plus efficaces et plus modernes. D'ici cinq ans, notre gouvernement s'engage à mettre 5000 autobus zéro émission sur les routes pour transporter les Canadiens. Investing in transit and infrastructure means clean air for our cities and good-paying middle-class jobs for Canadians. We not only have the manufacturing capacity here at home, but we have the materials used in today's battery technology, whether it's aluminum in Quebec or nickel in Ontario. When we build a sustainable future while growing the economy, everybody wins. There's still a lot of work to do to fight climate change and build a green economy that works for everyone, so we will continue to take real action for our workers and for our kids. Finally, I want to recognize that it's been almost a year now since COVID-19 was officially declared a global pandemic. At times, I know it feels like just yesterday, although most of the time it probably feels like a lifetime ago. This last year hasn't been easy, but we are going to get through this. This week alone, almost 400,000 Canadians got a COVID-19 shot. Next week, it'll be the turn of hundreds of thousands more. The people watching at home right now who are looking forward to getting their shot, your turn is coming. Millions of doses are on the way. Deliveries have been ramping up, and they'll ramp up even more in April. We will continue to work around the clock to make sure Canadians get vaccinated as quickly as possible. Merci beaucoup.